Hey, bien salut, c'est Agi, bienvenue pour ce 12e épisode de DQ8, l'Odyssée du Roi Maudit. Alors, avant de sortir de cette église, ici nous avons bien des recettes d'alchimarmite à apprendre. Et du coup, je vais lire les livres en question, puisque j'étais voir ça par moi-même. Et après, on continuera notre aventure. Fromage égale lait frais plus présure. Très bien, alors lait frais, ça c'est sûr, j'ai. Mais la présure, c'est pas du sûr. Pareil, nous avons deux recettes de ce côté. On va lire très vite fait, et après on va se casser d'ici. Casque de pierre égale hache de pierre plus chapeau à pointe. Ok. Je crois qu'on me l'avait dit par commentaire cette recette. Bon, ça fait toujours ça de plus. Et la dernière. Pareil. Toc toc toc. Poncho de fourrure, peau de bête magique plus peau de bête magique. Ouais, bon. Ça, j'ai pas du tout. Allez, on sort. Et du coup, dans le précédent épisode, eh bien, on aura aidé le roi d'Ascanta à retrouver la joie. Mais surtout, à retrouver une dernière fois, eh bien, sa femme. Décédé il y a 2 ans, Sacha. Donc le palais doit pas être très loin, lol. Et on a laissé nos compagnons, eh bien, déguster le festin du roi. Du coup, c'est en train de s'empiffrer. Nous, on va se casser. Je vais continuer mon aventure solo. Voilà, allez, on se barre. Bon, je pense qu'ils vont me suivre. Et après, on va voir aussi quelle destination on va devoir aller en fait. Voilà, ils sont bien là. Non, ça rebondit bien, Jess. Eh bien, il y en a pour qui ça va, n'est-ce pas? Le roi Pavant vous a sans doute offert un vrai festin, Vénard. Oh, il fait la gueule! Yoda! Cela fait un moment que nous vous attendons avec la princesse. Et on ne peut pas dire qu'elle ait beaucoup de conversations ces temps-ci. Je comprends ce que tu ressens, papy. Si seulement t'étais moins vert aussi, peut-être qu'on pourrait te faire entrer en ville et que tu pourrais boire un coup, par exemple. Je suis pas vraiment beau gosse, moi non plus. L'exclusion, je le connais. Oui, Yangus, qu'est-ce qu'il y a? Eh, chef, j'ai une idée. La ville où j'habitais n'est pas très loin d'ici, vers le sud. Et si on y allait, hein? C'est sûr que Picab, c'est pas le grand luxe, mais c'est paumé au milieu de nulle part. Même un vieux schnock comme lui se fera dans le décor. Là-bas, papy pourra se rafraîchir le gosier. Et on pourra peut-être dégoter des renseignements sur l'endroit où est parti Dul Magus et tout, et tout. Ça, par contre, ça m'intéresse. Là-bas, il y a un type qui sait tout sur tout. On le surnomme Doc. C'est un de mes potes. Ma main a coupé qu'il saura quelque chose. Tu vois, d'une pierre deux coups, je n'ai pas qu'un physique. Allez, on y va, au sud tout de Picam, nous voilà. Eh ben, direction le sud de cette zone. Va falloir qu'on trouve un certain Doc. McFly! Hey Doc! Du coup. Ouais, bon, on va passer par là. Alors, je pense vraiment qu'il y a des choses à aller chercher, mais c'est pas grave. Tant pis. Au pire, tu me feras la remarque. Et on va voir si j'ai la présure. Pour faire un petit combiné. Les frais, ça sûr, j'en ai deux. La présure, tout. Et oui, j'en ai une. Donc, tout de suite, alchimarmite. Et on va combiner tout ça. Donc, le lait frais, ainsi que la présure. Très bien. Et avec ceci, on va faire un fromage. Alors, ces fromages qu'on va pouvoir obtenir dans une quête secondaire, mais je le ferai quand vraiment j'y passerai. Un bout de fromage, voilà, très bien. Quand on passera à côté, ça sera pas mal. Et je vais pouvoir recombiner ça avec moisissure rouge, fiole d'eau magique, moisissure d'Elodé et une sève de Desmodium. Ok. Ça, je crois par contre, ça fait des fromages de feu et celui-là, glace. Vas-y, on va faire avec lui et on va voir. Le moment de vérité! Oui, c'est bien ça, un bout de fromage froid. Alors, je vais le garder, je vais pas l'utiliser. Bien. Et ouais, on peut se casser maintenant. Donc, comme nous a dit Yangus, on va devoir rejoindre Picam par le sud. Donc, je pense que je vais passer par là-haut. C'est la petite vache si jamais on va récupérer du lait. D'ailleurs, je vais aller en prendre. Voilà. Ça fera toujours ça de plus au cas où si on peut refaire du fromage. Et les coffres bleus, bien entendu, en fait, ils réapparaissent. Hein. Ça, c'est du sûr. Donc dès qu'on sauvegarde, qu'on quitte le jeu et qu'on relance, tout de suite les coffres bleus apparaissent. Donc c'est super bien en fait pour farm. C'est super bien. Et du coup, un combat s'est lancé. Bellicorne porte le premier coup. Vas-y. Allez, caresse. Voilà, point de dégâts. Fais-toi plaisir, on va passer en vitesse rapide un tout petit peu. Et directement. Bon, on va attaquer normalement même. Ouais, allez, hache du mal. Crame. Et un coup de tornade. C'est un petit groupe, donc mieux vaut faire des attaques comme ça. Ça va, mais ils sont.
Change de couleur. Alors là, il s'est vénère, je crois. Hein. Mode rouge. Heureusement qu'on l'a buté. Potion étrange. Ok. Donc ouais, si on sauvegarde, si on quitte le jeu, si on relance, hop, ce coffre bleu apparaît. Du coup, ouais. On peut vraiment farmer le truc. On peut vraiment farmer. Alors. Je vais me diriger par le haut, peut-être faire quelques combats. Ah ouais, j'en suis encore loin. Ah! Pour Angelo, ça pourrait le faire. Tiens, à toi. Voilà. Alors, il y a de la forêt, il y a de la plage. On va aller voir un petit peu tout ça. Un coup d'oiseau de feu. Briska sur le gros. Un bang. Et tu vas lancer. Vas-y, une flèche de Morphée. Oh! Le boomerang est efficace, hein. Oiseau de feu, en même temps, je crois que ça fait des dégâts en moyenne de 40 points de dégâts. C'est-à-dire que plus tard, il va falloir changer parce que malgré le niveau qui augmentera, ça restera ces dégâts-là. Pas si on fait les autres attaques. Donc, Angelo, niveau 15. Wouh, il a pris un sort de soin. Cool. Et. Flèche magique. Allez, vas-y, on va tout mettre là-dedans. Ok. Parfait. Toujours une aptitude en plus. Pourquoi pas? Ok, ici je vois presque rien. La grosse playa, la mer. Par contre, ouais, ça manque cruellement de décor. Bon, c'était pareil sur PS2, mais ils ont peut-être pu faire un effort et rajouter des choses quand même. 3DS. Ils auraient pu. Bon, après, c'est magnifique quand même, hein. C'est peut-être vide, mais c'est magnifique. Alors. Un monstre célèbre! Ouh! On va aller se faire ça! On va aller se faire ça. Par contre, ici, je vois pas, vraiment pas de coffre. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. On va aller se faire lui. Puis je vais poursuivre. Ouais. On va faire ça comme ça. Viens ici, toi. Un monstre célèbre. Est-ce qu'il va nous faire un nouveau monstre zoo? Serreur de pince. On va passer en vitesse normale pour lui. Et on va attaquer normalement. Paralâche. Coup double. Et ta flèche magique peut tuer instantanément si elle touche l'un des centres vitaux de l'ennemi. On voit ça? Ouais. Ok. Donc soit ça tue, soit ça met un point de dégâts, si j'ai bien compris. Enfin, il doit y avoir très peu de chance sur ça. Paralâche. Et les morts. Monstre zoo de cuivre. Ouais. Toujours du cuivre. Toujours et toujours. Ouais. Après, je vais continuer au niveau de cette plage. On va faire les quelques combats qui sont devant moi. On profite, ça fait monter un petit peu l'XP de nos personnages. Hop. Je pense qu'on va en avoir un petit peu besoin. Parce qu'on n'a plus trop XP après les gluants de métal. On avait farmé un petit peu. Donc faut qu'on se fasse ça. Et voilà, oiseau de feu, 42 dégâts en moyenne. C'est très bien. Très bien pour le début, le boomerang. Et bien entendu, et comme on a prévu, on changera. C'est quoi ça? C'est un petit diablotin. Ok. Je vois pas grand chose, hein. Il a l'air d'avoir rien du tout. Peut-être un peu plus de ce côté. Dégage-toi. Et des nouveaux monstres. Vas-y, viens. Allez. Qu'est-ce que tu veux? Des bourreaux apparaissent. Oiseau de feu. Pareil, hache du mal. Un coup de super glace, tiens, pour changer. Et toi, j'aimerais bien voir en fait ton attaque, flèche magique, sur le dernier. S'il meurt pas avant. Ça fait quand même super mal, hein, la glace. Ouais. Angelo. Sacré Angelo. Ah, par contre, ils font les dégâts. Hein. Mais nous aussi. Voilà. Bien. XP, elle est là. Une cape de cuir. C'est beau ça. Hop.
Du coup, on va soigner avec Angelo. Soin partiel. Voilà. Sur toi-même. Et premier secours sur le reste. Et du coup, vous êtes nombreux à me dire qu'Angelo, en fait, il sert juste à taper avec son arc pour gagner ses PM et finalement que soigner. Donc le mec, en fait, il est inutile, quoi. Il sert qu'à soigner. Il peut même pas frapper, rien. Enfin, il peut frapper, mais voilà, c'est pas super fort non plus. Une cape résistante en cuir. Oh, pour Angelo, c'est bien ça. J'avais bien besoin de défense pour lui. Cool. Voilà. Et voilà, comme on a dit, on va partir sur l'arc quand même. Passons dans tous les cas. Il est un peu useless. Je sais que certains l'apprécient, mais c'est pas mon cas. Hein. Et ça, vous l'aurez bien compris. Ah, Jubal. Tiens, on va mettre un super glace de la boue. Et une flèche magique, s'il te plaît. Laisse-moi t'estimer un tout petit peu, au moins. Il reste plus qu'un. Peut-être que Angelo va faire... Quoique... Oui! Bah voilà! Voilà! Tu remontes un tout petit peu dans mon estime. Hein. Pas grand-chose. Bon, je me fous de sa gueule. Hein. Je me fous de sa gueule. Tiens-toi, là. Un espèce de racaillou féro-singe. C'est Pokémon, le truc. Oiseau de feu. Alors là, par contre, c'est un gros groupe, hein. On va faire le bang. Et une flèche de Chiruba sur le premier, histoire de gagner des PM. Donc, oh oui, des PM. Plus 2. 15 de dégâts. Waouh. Waouh, 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 waouh. Spank. Bon. Aïe. Ta 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 ta. Ah, ils ont l'air d'être résistants, eux, par contre, hein. Tout. Voilà. Poignée de pierre. Ouais, c'est jet de pierre le nom du truc. Donc, et attaque. Wata ! Coup de fouet. Voilà. Toi qui es sadique, tu dois aimer ça. Ah, l'XP par contre, allié. Hein. Vraiment. Angelo, du coup, comme tu sers qu'à ça. On soigne tout le monde. Ça tiendra après. Donc je continue par là-haut, mais je vois pas grand-chose. Enfin, une petite îlot là-haut. Ah ouais, mais c'est le mont Souhait. De l'autre côté. Il y a une île. Petite île. Je peux pas y accéder. C'est quoi ça? C'est une maison? Attends. Je vais aller voir ça. Ah ouais, on la voit pas du tout sur la minimap, eh. Enfin, vraiment pas grand-chose. C'est quoi ça? Bienvenue à la cabane au bord du lac, l'endroit idéal pour faire une halte si vous vous rendez à Skanta ou à Picam. Ah, il y a un coffre là au fond. Attends, je vais rentrer là-dedans. C'est quoi? C'est une auberge? Plus il y a des livres à lire. Ah, non. Que dalle. Ok. Ouais, des clients, notre auberge. 20 pièces d'or. Non merci, ça tiendra. Ça c'est pour sauvegarder alors. Donc il y a tout prévu ici, si jamais on veut se reposer un petit peu. Mais on poursuit notre route, nous. On est bien, on a juste perdu quelques PM pour soigner, utiliser les sorts et aptitudes. Mais sinon, ça va. Donc je fais ce choix et je continue. Je vois une route de l'autre côté. Et vraiment aucun coffre hein, depuis tout à l'heure. Nada. Tu fouilles pas assez. Hop. Oui, un bang. Et fais-moi plaisir, s'il te plaît. Lui, oiseau. Bang. Yeah. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oui.
Oh, en plus, il se concentre. Bute-moi ça. Ah, oh, un point de dégâts. Oh, je tue mal. Ouh. Et le dernier. Avant qu'il me mette un coup de tension dans la tronche. Il y en a qui se font plaisir. Voilà. Trop de plaisir, tue le plaisir, pardon. Et si je recevais un coup dans la tronche, je crois que j'ai un personnage qui était presque à crever. Hein. Ah, nous avons une porte tout là-haut, une entrée. Et puis c'est tout là-haut. Ah. J'ai parlé trop vite. Il y a un coffre tout au fond. J'espère juste qu'il est ouvert. Ça serait cool. Ah, shit. J'ai pas la bonne clé. On en est où? Yangus bientôt. Oh, c'est pas grave. Pickham, château d'Ascanta. Nous arrivons à Pickham. C'est marrant ça. Ça fait charger la map. Ok. On n'aurait pas dit d'ici. Nous avons une demeure aussi, là où je m'avance. Et une ville de l'autre côté qui doit être Pickham. Toujours les petits monstres qui sont assez agités. Ce taré. Je sais pas s'il a vu courir. Chasseur de tête. On va voir qui va chasser la tête de l'autre. Mais. Non, super glace. Et une petite tornade. Ouh. Ouais, génial. Ok. Ça va, ils sont gentils. Ils y vont en douceur. Super Blaze. Bien joué, Jess. Bien joué. Cool. Toc, 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 toc. J'évite un tout petit peu quand même. On va pas tous farcir. Et oh! Oh oh! Ça, ça me dit bien quelque chose, ça. Et ça me fait plaisir. Je vais prendre ce petit coffre bleu. Pépite d'or! Oula, attends, attends, attends. Je crois qu'on peut faire des choses avec. Hein. Sac. La pépite. Y'a pas un bouclier ou un truc du genre? Ah, j'ai aucun objet pour le moment. Ah, shit. Je pense que je peux faire un truc avec. Peut-être le revendre. Ah, et ça, ça me plaît beaucoup, par contre. C'est fermé. T'es là, toi. GG le moulbit. Le gros plan dessus, quoi, c'est magnifique. Allez, je viens de voir les raids, la pente. Hein. Bonjour. D'accord. Il prend comme ça, bah je me tire. Ah. Cette voix. Ah, tu viens me voir, où je t'ignore, mais où avais-je la tête? Approche, parle, je t'écoute. C'est horrible le doublage que je fais. Permets-moi de me présenter, je suis Mori. Ici, c'est le vent qui m'apporte les nouvelles. J'y arrive, si, seigneur. C'est le vent qui me l'a dit. Quelqu'un de magnifico doit bientôt venir ici. Alors, Kazzo, tu es un voyageur, si? Si, seigneur, muchas gracias. Alors, je demande un servicio, train, prends ça. Y a pas des essais, je reprends. Au équipe, obtient 3 notes. D'un air étonné, quand nous aurons fini de parler, tu regarderas ces notes, d'accord? Sur chacune d'elles, il y a des informations mises sur les monstres célèbres. Trouverai, affronterai, envoie Marie. Et t'inquiète pas, ragazzo, pour toi ce sera du gâteau, je le vois dans tes yeux. Buena fortuna et bonne chasse! Hola! Bon, je sais pas du tout parler espagnol, mais bon. Alors, ces petites notes, on va voir à quoi ça sert, on va la lire. Ici, nous avons un sourire gluant. En fait, ça va être des monstres qu'on va devoir trouver et tuer.
Ce n'est pas un méchant gluant, mais un très méchant gluant. Ok, si tu veux. Je pense pas l'avoir trouvé celui-là, par contre. Le numéro 2. Ah, lui, par contre, il me dit beaucoup, ouais. À côté de l'abbaye de Maïla. Je sais très bien où il est. Et le troisième. Aperçu au bord de l'eau, près du repère d'une voleuse, un mauvais garçon qui aime avoir les pieds bouillés. Octopoussin. Ok. Le principe, ça va être de trouver ces trois monstres et de lui rapporter, si je me souviens bien. De les trouver et de les tuer. Alors, on va continuer notre morceau de chemin. Par là-haut. Quoique, peut-être en haut, il y a un truc, non? Wouah. Vas-y. On va continuer notre route. Et puis, on va arriver à la prochaine ville. Histoire de se reposer. Ça serait pas du luxe. Allez, pour finir, un dernier petit groupe. Lui m'intéresse. Son allure m'intéresse. Vas-y, on va faire un coupe-gorge, ça fait longtemps. Par contre, ça c'est vraiment pas mal, hein, les groupes comme ça. Je peux vraiment me faire plaisir dessus. Hein. Force d'un cyclone. Danse de confusion. Oh, oh, oh. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est pas passé, sans même m'aurait rendu confus. Et j'aurais pu taper mes potes. C'est pas génial ça. Super Glaze. Puissant. C'est puissant. Ouais. Bon. Nous allons arriver. Non, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Il y a ce gogol qui court. N'importe quoi. Et là, nous arrivons à Picam. Eh bien, Yangus, tu avais au moins raison sur un point. Personne ne sourcille en me voyant. Il est content, il monte dedans. Bon, la taverne m'attend, je pars devant, je voudrais pas vous déranger. Vous allez trouver ce doc, j'attendrai votre rapport. Il est heureux, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Attends notre rapport, te saouler tu veux dire. Allez chef, oublions-le et allons chez Doc. Il faut bien qu'il y en ait qui se concentrent sur le boulot, on doit trouver ce double magus. Ah d'accord, alors la cinématique m'a balancé... Ouais, là-haut, je suis en ici. Alors lui, ça tombe bien. Il est en train de dormir. Parce qu'en fait, on est la nuit. Mais quand on arrive de jour, je crois bien qu'il nous fait payer pour pouvoir qu'on passe. Donc ça tombe bien. Nous avons un puits. Oh ouais, pas mal de choses à farfouiller. Hein. On va commencer par le puits. Après, peut-être se reposer et trouver Doc. Peut-être faire ça de nuit, j'en sais rien. C'est asséché tout ça. Allô? Ah voilà. Ah, j'en peux plus. Des fois c'est compliqué pour lire. C'est comme les pancartes par exemple. T'as beau te mettre devant et... on veut pas. Bonjour. Bienvenue au club secret de Picam. Alors attends. Parce que vu ton gabarit, comment t'es passé par le puits? Enfin, c'est assez bizarre. Ah, c'est comme si vos boyaux cuisaient à l'étouffer dans une marmite. Ils ont pas l'air d'avoir de choses. Par contre, ça, c'est bien. De choses intéressantes à me dire. Et la mini-médaille, je dis pas non. Fiole de sève de Desmodium. Ne va pas parler de cet endroit à personne, sinon... Ouais, bon. Ils sont un peu useless. Mais c'est sympathique, hein, d'habiter ici. Les souvenirs d'enfance quand tu construisais tes petites cabanes à un bois dans la forêt. Allez, on va aller dormir. On va faire ça avant. L'auberge. Ici. Et je vois qu'on a deux tavernes. L'église qui est en haut et les marchands. C'est ça qui m'intéresse moi. C'est surtout les marchands. Ça va, Médéa? Très bien. On va se reposer. Et on laisse Yoda se saouler.
Bienvenue dans notre auberge, voyageur fatigué. Voulez-vous vous reposer? Oui, chef, passer la nuit, merci. Ah là là, il y a certains doublages que je devrais pas faire, mais rien à foutre, rien à foutre. Regarde la belle fougère. Elle aussi, elle en a rien à foutre. Nous avons une petite chambre et peut-être avec des choses à l'intérieur. Que dalle. C'est cool. Par ici. Pareil, une armoire. 35 pièces d'or, ouais. Pourquoi pas. Et là. Ah, par contre, ça me fait ressortir ça. Ça va, Minou, qu'est-ce que tu fous là, là, sur le toit? Excuse-moi, mais moi je vais prendre ça. Vas-y, sur rouge, très bien. Je peux aller là-haut. Petite maison. Petite maisonnette. Il y a des maisons sur les toits aussi. Ah, une médium, ça m'intéresse pas. Par contre, là, il y a des livres à lire. Ok. Bougie, suffisamment mystique. Dites oui! Oui! Ça parle de boule. Ok. Non, les diseuses de bonne aventure et les boules, c'est pas trop mon truc. Hein. Chacun son kiff après. Allez, je vais sortir. Bon, là, on n'a pas grand chose. Alors, de toute façon, si je me rappelle bien, c'est du côté gauche qu'il va falloir aller. Mais je veux juste farfouiller avant, histoire de rien rater et choper tous les items qui sont à notre portée. Soit dans les armoires, les jars, les tonnelets, ou même des bibliothèques à lire pour avoir de nouvelles recettes d'alchimie ermite, ça serait pas mal. Chou, ok, je suis là. Ça, c'est la taverne. Non, ça m'intéresse pas, il est parti picoler. On est deux jours du coup. Ok, on va faire ces petites maisons là. Après, je vais au marchand. Après, je vais m'occuper de la partie de droite. D'ailleurs, j'ai dit gauche parce que je l'avais à gauche. Non. Ok. Alors, tu m'excuseras, madame. Mais je prends. Oh, une graine de vie. On vivait dans une ville qui s'appelait Baccarat là-bas, il y a un casino, vous voyez, et mon mari est un gros joueur. Pourquoi nous avons déménagé ici? Croyez-vous pour échapper aux hommes de main du casino? Évidemment. Ils ont des dettes. Graine de vie. Vas-y, Jess. Toi, je te fais plaisir avec la vie, hein. Wow, wow, wow. C'est quoi tout ça? On a plein de trucs. Très bien. Des livres. Journal personnel. Un lapin sans oreille, c'est comme une quête sans dragon. Ok, je m'en fiche. Donc encore une fois, c'est être un petit peu calme. Mais te fais pas de soucis, on va s'approcher sur des choses plutôt bien plus importantes. Et ouh, des coffres. Et c'est faire ma clé, ouais, bien sûr, hein. Fallait s'y attendre parce que te donner des coffres comme ça, voilà. Hop. Beaucoup de balades et de recherches là, hein. Là dedans, qu'est-ce qu'on a? Fiole d'eau sacrée. Salut, tu prends ta douche? Je te dérange? Donc n'hésite vraiment pas si t'as des sujets à me donner par commentaire. Fais-toi plaisir hein, si tu veux savoir des choses. Comme ça on pourra profiter de certains moments pour en parler. Alors tout ça c'est fait, tout ça c'est fait. C'est bon. On se tire. Et donc c'est grand pour une si petite ville hein. Chihuahua, gémissement. Il a l'air d'être triste. Hein. Enchaîné en plus dehors, le pauvre.
Hop, excusez-moi madame. Ah, prenez tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien de valeur ici, je le jure. Ah, vous n'êtes pas des voleurs? Oh, je suis désolé. C'est juste qu'il y a eu tant de cambriolages ces derniers temps que j'étais persuadé que... Oui, c'est pas pour rien que nous sommes dans la ville des voleurs en même temps. Mais je te vole aussi. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. À moins qu'ils soient déjà venus avant moi et qu'ils t'ont tout chouravé. Plus qu'une petite maison et cette partie sera faite. Ah ouais, c'est juste un... Ouais. Une petite échoppe d'objets. Je pense pas qu'ils me vendent des trucs intéressants. Ah, par contre, on a des sacs. Ça, c'est mieux, ça. Et encore une fois, une mini médaille, hein. Ils sont généreux avec ça. Là, y avait rien, y avait rien. Deuxième, s'il te plaît. Voilà. Faut bien se positionner, hein. Que dalle. Ok, tout ça, c'est fait. Let's go, les marchands. Pourquoi pas de nouvelles armes, de nouvelles armures. Surtout les armures, ce serait pas mal. Alors, on va aller voir les armes en premier. Merci de quelles sont. Poignard empoisonné, ouais, ça on s'en fiche. Arc de chasseur, oh 1700. Pour 7 dégâts en plus. Vas-y, tu vas garder ton vieil arc. De toute façon, tu sers qu'à soigner, âge de fer. C'est les abonnés qui l'ont dit. Et en même temps, c'est vrai aussi, c'est tellement vrai. Il n'y a pas grand chose finalement. Et armure? Qu'est-ce que tu vends de beau? Armure de bronze. Ah, ça, c'est pas mal ça. 7. Cape de cuir. Ah, bah, c'est ce qu'on a droppé. Costume de danseuse. Oh! Alors, ça. Je crois que ça change l'apparence de Jessica. Bouclier de fer. On m'a dit comme quoi je pourrais en trouver si je farfouille bien. Un petit peu plus tard. Et homme de fer. Pour Angelo, par contre. Je le prends pour Angelo. Et il a besoin de défense. Ouais, bon, je l'ai mis dans le sac, c'est pas grave. Y'a rien d'autre pour Jess? Non. Hop. Le sac. L'homme de fer. En transfert. À Angelo. Yes. Je vais me faire plaisir, équipe. Jessica, tout, 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 tout. Eh oui! Ah, on est stylé, on est stylé. Costume de danseuse. Très bien, on va rester comme ça pour un petit moment. Je vois des portes derrière vous, par contre. Et je peux passer. Ok. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. Bouse de vache. Ça fait plaisir. C'est ouvert, c'est bon. Ok. C'est bien, ça a seulement été divisé par quelques planches. Regardez bien combien de personnes arrivent à caser dedans. Ah, c'est une petite casa, en fait. Mini médaille. Encore. Ici, une bonne cuite. En plus, ça lui va plutôt bien, hein, ce costume. Ça va avec sa couleur de cheveux. J'ai vu le petit sac, par contre. Donc, je vais y retourner. On a la classe, comme ça. Alors, il paraît que sur certaines tenues, apparemment, ils auraient mieux caché certaines parties, en fait. On verra un petit peu plus tard, parce que là, je crois que ça n'a pas trop changé. Et une graine de force. Ah. Utilisez Yangus. Voilà. Pousse ta puissance, mon gros. Donc, on verra si on arrive à trouver d'autres tenues pour Jess. Et on pourra comparer. Ça, c'est l'église. Maison, maison. Ok. J'ai pas fait ça. Par contre, cette partie, ici. Est-ce que je peux rentrer derrière? Ouais. Un nain de jardin. Et des arbres. Pas du tout. Et une côte de maille. Oh. Bon, j'en ai déjà chopé une dans un coffre. Ce qui m'en fait deux maintenant. Je pense que je vais revendre ce truc. Et on est arrivé par ici. Et lui, normalement, il me fait payer. Hein. Tu vois, 10 pièces d'or.
Alors qu'on peut faire juste faire le tour. C'est con, quoi. Soit passer par cette porte, ou soit passer par là, quoi. Alors, tout ça, c'est fait. Toc. C'est deux maisonnettes. Je l'ai fait ou je l'ai pas fait, ça? Côté salaire, mon mari, c'est pour tenir un problème qui dépense tout, sans ça, ça n'a... Non, on l'a pas fait. Très bien, Marie-Belle, mais y a rien du tout ici. Et l'autre? Avec cette musique. Hop, je prends ça. Fiole d'eau magique. Bien. Et c'est tout ce que j'ai pu. Alors, il ne reste plus que cette partie-là. Cette porte est bloquée. Salut. La taverne, la deuxième. Vous voulez savoir où mettre la porte derrière le comptoir? Ah, c'est pas quelque chose que je peux aller raconter à n'importe quel kidam qui le demande, vous voyez? Je reviendrai te voir, t'inquiète pas. On est sur des lodés, cool, on va pouvoir se refaire du fromage avec tout ça. Il me faut des brisures par contre. Il y a un fou, ok. Bon. Rien d'intéressant. Je pète tout ça. Les hommes sont bizarres ici. Hein. T'envoies au sol, t'envoies avec de la bière aussi, tout c'est chelou. Kazako, ce petit tipi là. Cette tente. Le sistre légendaire. Allô? Eh. Tu vois, encore une fois. Ah, merci. Poète. Ok, en plus, on raconte de la merde. Nada. Et un caleçon. Tiens. Hop. Et ça, je peux pas le prendre. Globalement, là, on a fait pratiquement tout le tour. Il me reste juste ces maisons sur le toit. Non, ça a déjà été fait. Donc, il me reste ça là-haut. Par contre, les jarres en première. Voilà. Toujours les petits objets. Bon, si tu veux, hein, si tu veux. Merci le jeu. Et en dessin. Ok. Ah. Personne. T'es là-dedans, Eastwood! Non, t'es pas là. Bon, c'est la barque de Doc, mais on dirait qu'il n'y a personne. Tant pis, on fera mieux de retourner à la taverne pour demander au vieil farfelu ce qu'il veut faire. Ok. Par contre, faut avoir les références. Hein. Et tout ce que je sors à chaque fois. Source mystique. Blablabla. Ok. Ici, rien d'intéressant. Encore des bibliothèques ici. Non plus. Ça par contre c'est assez chiant ça. Hein. Faire des trucs des fois il n'y a rien. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours des petites histoires qui sont intéressantes à lire. Mais sans plus. Ah oh, tiens regarde attends. La map monde. Ça je prends. On va muscler tout ça, Jess. Grâce de sagesse, parfait. Et rien. Utilisons la graine. Tatatatatac, grâce de sagesse. Ah, pour moi, hein, normal. On ressort.
On va aller revoir le vieux. Ouais. On va faire tout le tour par là-haut. Je me posais la question si je pouvais pas me téléporter pour apparaître devant. Mais bon. Je peux passer comme ça. Hein. Ça va tout aussi vite. Là-haut. Hop là. Voilà. Allez, on rentre là-dedans. Hot Rod. Ça n'avait jamais été aussi difficile d'obtenir à boire. Une chose de plus à mettre au compte de ce maudit Doulmagus, que le diable les emporte, lui, son sortilège. Mais c'est Médéa qui souffle plus, transformant en cheval alors qu'elle venait d'être promise à son futur mari. Oh, déjà de retour, ça a vraiment été très rapide. Alors, sait-on maintenant où se trouve Doulmagus? Qu'est-ce que c'était? Il m'a semblé entendre Médéa. Alors, attends, la musique qui s'arrête, c'est beau. Et tu les ferais, pourquoi pas. On sort. Papy qui attend là, qui est en train de boire. Médéa, oui Médéa, elle a disparu. Oh oh, j'aurais dû m'en douter. Par ici, les gens se moquent d'où on vient. Ce qui les intéresse, c'est avec quoi on vient. Et tu es en train de me dire qu'un des stupides filous de ce trou malfamé a enlevé ma fille? Oh, te fais pas de cheveux blancs, papy. Qui que ce soit, ils n'ont pas pu aller bien loin. Ils doivent encore être quelque part en ville. Alors trouvons-les, oublions le reste. Tout ce qui compte, c'est de récupérer Médéa. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu m'as entendu, non? Nous devons trouver le coupable immédiatement et sauver ma fille bien-aimée. Hop. On va trouver ça. De toute façon, je sais où c'est. Donc pas de soucis de ce côté. Avec ce nouveau casque, ça me fait... assez bizarre parce qu'on n'entend plus du tout même quand je parle. J'ai l'impression de pas m'entendre. Des fois ça peut arriver que je bafouille. Non c'est pas ici. Non c'est pas ici. Toc. Ça c'est encore pour après. Attends. J'ai vu Mitz marcher en direction de la tour de Gay il y a une minute, il était rond comme une queue de pelle. J'étais en haut des marches et je l'ai vu titubuler dans l'échoppe. Il semble assez content de lui à mon avis, il a dû avoir un coup de chance. Ça doit être de l'homme qu'on cherche. J'ai moi de l'argent les amis, bon... Allez vas-y. Voilà. Va boire, va te droguer, fais tout ce que tu veux. Et nous on cherche quelqu'un. La tour de Gay. Alors je regarde la minimap, voilà, c'est ça au bout là-haut. Ah, on a encore une petite maison ici, j'avais oublié. Par contre, je vais monter. Ouais, on peut. Juste un garde. Si quelqu'un est passé par ici, je ne sais pas, désolé, j'étais occupé à regarder. Personne n'a quitté la ville, ça je peux vous l'affirmer. Très bien. Mais c'est bon, l'autre nous a indiqué un petit peu sa position. Je vérifiais juste. Hop là. Oh, c'est le bordel ici. Hein. Ah, te voilà. 998, 999, 990. Ah ouais, 1000 tourons, super. Il connaît son affaire, ce sacré marchand. Il a bien vu ce que ça valait. C'est du gâteau de voler ce cheval. Tu t'es fait du blé facile, Mitz. Très facile. Ça, c'est moins drôle, par contre. Hé, hey, qui est là? Oh non, c'est pas vous le propriétaire du cheval, hein? Alors, c'est toi, le misérable qui rend des poignards? Nom de, enlevez-moi ce monstre. De quoi il me parle? Quelle princesse? J'ai seulement piqué une rose. Qu'est-ce que tu traites de monstre? Rends-moi tout de suite ma Médéa, ou je ne réponds plus de rien. Du calme, on se détend, je savais pas, juré, je savais pas que c'était une princesse monstrueuse ou je ne sais pas quoi. Tenez, prenez tout, c'est tout le blé que j'en ai tiré, promis, mais me faites pas de mal. Quoi, tu as vendu ma fille? Ça suffit, massacre ce bon à rien.
Monte pas sur tes grands chevaux, papy. Pardon, je veux dire du calme. Cette canaille ne mérite pas que le chef salisse son épée. Boomerang. Bon, à nous deux, crache le morceau. Tu l'as vendu dans la rue des Mandigos, hein? À Dave l'embrouille. Ouais, c'est ça, vous le connaissez? Bon, file-moi le magot, je vais bien voir si tu m'as raconté des salades, sale fripouille. C'est pas d'histoire, monsieur, je vous jure. Tenez, 1000 pièces d'or, c'est ce qu'il m'a donné en échange. Merci. Vous inquiétez pas, le gars du marché noir dont il parlait est un pote à moi. Il nous rendra la pouliche royale si on lui rend le blé, je veux dire, l'argent. Alors pourquoi traîner ici? Nous devons aller au magasin de ce gars immédiatement. Oh, une queue de lapin, parfait ça. Il est en total PLS, hein, par contre. Parce que j'ai pas... Ah ouais, par contre, j'ai plus l'alchimarmite, du coup. Ah, parce qu'elle est dans la charrette. Dans cette prisure. Pièce d'or. Rien du tout. Allez, au revoir, mes crayons. Et maintenant, on va pouvoir rejoindre la taverne de l'autre côté. Eh oui. L'autre qui attend toujours pour que je lui paye. Il pourra se le carrer bien dans les fesses. Voilà. Excusez-moi. J'espère que t'as bien profité de ta shop. Eh, c'est si que moi ça m'intéresse maintenant. Ah, vous voulez passer de l'autre côté, vous voulez faire des affaires, non? Après vous. Merci. Putain, mec, on a un point commun, quoi. Je te laisse deviner lequel. Non, c'est pas la coupe de cheveux. Hein. Là. Et encore une fois, hein. Tiens, tiens, ce bon vieux Yangus, ça fait un bail que t'as pas montré ton museau dans le coin. T'as du matériel volé dont tu veux te débarrasser? Non, mon pote, c'est fini tout ça. Je voyage avec le chef que voilà maintenant. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Ce sale nabo de Mitz est bienvenu tout à l'heure pour te vendre un cheval et un chariot, non? En fait, il faudrait qu'on les récupère. Ils sont au chef, tu vois. Mitz nous a piqués. Je les ai un peu secoués. Il m'a dit qu'il te les avait vendus. C'est pour ça qu'on est venu. Mitz les a piqués? À toi? Tu as dû perdre la main pour te faire rouler par quelqu'un comme lui. Ouais, il est venu ici pour vendre le cheval et le chariot. J'en ai donné un bon prix. Donc je les avais, mais je sais pas comment te le dire. Je les ai déjà vendus. Une embrouille n'arrive jamais seule. Quoi? À qui? Il faut absolument qu'on les récupère. Je sais pas comment te dire ça non plus. Je les ai vendus à Ruby. Quoi? Ruby, cette vieille roublarde? Tu te payes ma tête, c'est ça? Désolé, Yangus, mais c'est vrai. Écoute, je ne peux plus rien faire maintenant. Tu vas devoir régler ça toi-même. Ruby! Ok. Eh bien... Nous irons voir ça, j'y crois pas. Voilà que Ruby m'est là à ça maintenant. C'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment. Mais on va devoir lui rendre une petite visite. Elle habite au sud-ouest de la ville, c'est une chouette baraque au milieu d'un lac. Allez chef, si on veut aider la pouliche royale, faut qu'on aille là-bas, direction le sud-ouest. Très bien, le sud-ouest. Alors par contre, le garde il m'a bien dit que personne n'est sorti de la ville. Alors, le mec, comment a-t-il pu vendre Medea ou Epona? Et Ruby partir avec? Ouais, bon. Écoute, on verra ça pour le prochain épisode. On va pouvoir sauvegarder ici, gentiment, paisiblement. Ok, on va être bien. J'espère que tu auras apprécié cet épisode. Je te donne rendez-vous pour la suite de notre aventure sur DQ8, l'Odyssée du Roi Maudit sur 3DS. Porte-toi bien, des bisous, à la prochaine. Bye!